On termine la série de vidéos sur la météo par une dernière série sur la protection météorologique et les messages et cartes météorologiques. Alors, la protection météorologique, alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que le site AeroWeb? Eh bien, voyons voir ça, ce qu'on y trouve dessus. Alors, déjà, quand est-ce qu'il faut une protection météorologique? Eh bien, l'obligation de prise de protection météorologique, c'est avant chaque vol. Tout pilote est obligé de prendre la météo avant chaque vol. C'est une démarche obligatoire dans la préparation du vol. Ensuite, comment est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les méthodes qu'il a à sa disposition? Donc, la première, historique, hein, c'est d'aller dans une station de Météo France. Le pilote obtient un dossier météo, des cartes, des messages, et le prévisionniste, en plus, lui explique la situation et les évolutions prévisibles. D'accord? Donc ça, c'est ce qui arrivait toujours quand on avait une station météo sur chacun des aéroports. Maintenant, on a ça de moins en moins. Donc, de plus en plus, les pilotes, ils utilisent Internet et ils se connectent sur le site AeroWeb. Hein, donc vous avez l'adresse ici, https://aviation.meteo.fr. Vous pouvez y aller aussi, vous créer un compte si vous voulez. Et en précisant que je crois qu'il y a un onglet à cocher pour dire que vous faites le VIA, et vous aurez accès ainsi à ce site web aussi pour voir les protections météorologiques, pour voir un peu ce qui est disponible. Voilà. Et donc vous voyez sur l'écran de gauche le genre d'informations que vous avez. D'accord? Enfin. Vous avez une troisième méthode de protection, c'est de téléphoner à un numéro surtaxé, le 08 99 70 121 5. Donc 121 5, on verra en navigation. C'est réglementation sécurité, c'est la fréquence de détresse. Et là, vous aurez un exposé verbal seulement. Donc ça permet de compléter ce que vous avez obtenu sur Internet avec AeroWeb. Vous aurez un prévisionniste qui vous donnera un exposé verbal en plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, quels sont les éléments de protection selon les canaux de consultation que vous avez? Donc, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir un exposé verbal de la situation si vous êtes rendu dans une station de Météo France ou si vous avez téléphoné. Et vous pouvez aussi avoir des images satellites. Donc, les images satellites, vous les avez sur AeroWeb ou on peut vous les montrer dans les stations de Météo France. Donc, il y a trois canaux pour les images satellites. Enfin, deux canaux principaux, c'est infrarouge, donc qui permet de voir la température, hein, voilà, donc réfléchi et renvoyé vers les satellites, et donc ça nous donne la nature des nuages, hein, est-ce qu'ils sont épais ou pas, et le sommet des nuages, savoir s'ils sont loin ou pas, et le visible qui nous permet de visualiser la densité des nuages, mais ça, c'est disponible que de jour. Et donc la composition non colorée permet de mélanger ces deux canaux, infrarouge et visible. Après, vous avez les images radar. Donc l'image radar, donc là, vous voyez sur l'image à droite. C'est la visualisation des zones de précipitation ainsi que de leur densité. Donc, vous voyez, plus la couleur est claire, plus la pluie est violente. D'accord? Et donc là, vous voyez le bleu ciel, vous avez des pluies très fortes. Le bleu foncé, vous avez des pluies un peu moins fortes. Et donc là, on ne le voit pas, mais vous pouvez dérouler par quart d'heure le film de l'avancement de ces précipitations. D'accord? Donc, sur Internet, l'image radar est superposable sur l'image visible. Donc là, vous voyez l'image radar donc en bleu, et vous voyez derrière les nuages, d'accord? Les nuages en blanc, donc l'image visible. Enfin, vous avez des cartes météorologiques, donc les temps ci et les mines temps, et les messages météorologiques, les METAR et les TAF, notamment, hein, qu'on détaillera dans des vidéos ultérieures. Alors, voyons voir les questions que l'on peut avoir. Alors, la préparation du vol comprend l'étude des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents pour les vols IFR seulement, tous les vols IFR et VFR, les vols VFR seulement, les vols IFR et les vols VFR hors circuit d'aérodrome. Donc, en navigation, on voit que VFR, c'est les vols suivant les règles de vol à vue et IFR, les vols suivant les règles de vol aux instruments. Sachez que pour tous les vols, la météo est obligatoire. Donc, c'est la réponse B. Un METAR, qu'est-ce que c'est? Donc, on a vu que c'était un message, d'accord? Mais c'est un message de quoi? Un message météorologique régulier, d'accord? Ce n'est pas un avis qui mentionne la modification d'une installation, ce n'est pas un message d'alerte et de danger, ce n'est pas un service d'assistance et de secours, c'est un message météorologique régulier. On verra plus en détail dans les vidéos ultérieures. Et enfin, dans le cadre de préparation de son vol,
Le pilote consulte le site internet AéroWeb de Météo France. Par ce moyen, il n'a pas accès à quoi? Qu'est-ce qui lui manque s'il va sur le site internet? Internet AéroWeb. L'exposé verbal d'un prévisionniste, les images radar et satellites radar, les messages METAR et TAF, les cartes TANSI et WINTAN. Eh bien, c'est évidemment l'exposé verbal d'un prévisionniste qu'on ne va pas avoir sur Internet.